Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver à la brocante Vide-Grenier à Saint-Étienne-du-Gré dans les Bouches-du-Rhône et on va voir tout de suite. Je cherche des objets un peu creepy. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà. Le tire-bouchon est quand même assez particulier, je trouve. Une note d'humour. Hein. Pour l'instant, j'ai flashé sur rien. Celui-là, il fait peur de masque. C'est chelou. Chelou, mais il y a des beaux articles ici quand même. Je cherche des véritables poupées en porcelaine. Ah, des petits sabots de bois. Incroyable. Dimanche. Après, quand vous en avez des abîmés, si vous en avez des abîmés que vous ne servez plus, vous me les donnez et eux, ils vous les achètent. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite théière. Hein, parce que vous n'avez qu'une tasse. Et à côté, vous avez la théière de tasse. Ah ouais. Vous avez la tête qui s'enlève et vous remplissez dedans. Ah d'accord. Et c'est combien? Japonais, c'est très beau. Hein. C'est combien? C'est 10 euros. 10 euros? Ça, vous ne le voyez pas de partout, hein. C'est un petit peu des originalités. Oui, vous avez un beau stand. Merci, ça fait plaisir. C'est original en tout cas. Oui, j'essaye. Je fais un tour, merci. Merci madame. Il y a un peu de monde, même beaucoup en fait. Veste militaire, armée. Je sais pas ce que. Oh, pansement oculaire, incroyable. Pansement oculaire d'urgence, putain, ils ont pris cher les pansements. Bande en gaz. Ah, les compresses. À pansement, non, à traiter. Un truc de fou, ça. Les gourdes. Putain, les gourdes de l'armée. Ah, c'est de la vraie gourdasse, quoi. Oh my god. Je rigole tout seul. Oh là là. Là. Sympa ce stand. Réserve de chasse, keep out. Nanana, nanana. Mais j'ai l'impression que, ouais. Dès qu'on arrive, on demande un prix.
ils envoient un peu du lourd. Après, il faut négocier. Hein. Il faut négocier. Oh, le... il a pris cher le truc à poker, là. Il a pris cher, quand même. Mais c'est original. Bon, deux allées de fête. Allez, on va attaquer la troisième. Le livre d'or de notre mariage. Ça donne pas trop envie, hein. Ça donne pas trop envie. Putain, pour l'appareil à gaufres, il est énorme. Ah là là. Franchement, peut-être qu'il marche bien, hein, mais c'est pour mettre sur une cheminée, je crois. 10 euros le miroir, il est pas cher. Pas mal le petit miroir. Poupée, 2 euros. Voyons voir leur tête. J'aime bien leurs habits en tricot, mais les petits peluches, elles sont mignonnes. Un peu cher, 10 balles. Ça vaut pas 10 balles. Là. 5 balles, ça aurait été bien. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui sur les Bouches-du-Rhône, du Mistral. Les touristes sont un peu partis. Et voilà, la rentrée approche. Bon, elle est creepy celle-là. C'est combien, c'est vous ? Allez, quoi ? La poupée. Ah, la poupée ? 2 euros. 2 euros ? C'est une poupée en quoi ? Regardez. Une poupée habillée, elle est assise et elle est en train de brouder. Ça, c'est mignon. C'est mignon, ouais. Ouais. Elle est mignonnette, hein. Oh, pardon. Merci. Oui. Les gens d'avant, ouais. Comment ? Les gens d'avant, ils savent bien faire les choses. Ah, là, les yeux qui bougent. Elle vous fait un combien ? 2 euros. Je vais la prendre. Ah, d'accord. Oui, c'est mignon. Vous avez un petit sac par un... Oui, bien sûr. Hein. Elle est mignonnette, ouais. Pour 2 euros, même si vous donnez une bonne action à quelqu'un, ça serait bien. Ben non, parce que je me fais des collections des objets un peu étranges. Voilà. Voilà, mais ça, c'est une chose. Ça, c'est personne d'autre qui va faire ça. C'est vrai. Bon, merci, je vais vous régler. Et combien les autres ? Tu l'as cassé ? Celle-là, elle est flippante. Combien ? 20 euros les 3. 20 euros les 3, non, c'est trop. Cadeau ? Ah oui, je vais réfléchir. Je réfléchis, je fais un tour, merci. Bracelet sympa ici, hein. Bonjour, combien le bracelet s'il vous plaît ? 3 pour 5 euros, au choix. 3 pour 5 euros. J'en ai plein, il y en a tout sort. 3 pour 5 euros.
Les amis, j'ai trouvé un stand où il y a un monsieur qui vend beaucoup de poupées. Elles sont en porcelaine. Elles sont de quelle date, vous savez pas? Elles sont vieilles. Hein. Ah ouais? Ah ouais, elles sont très vieilles. C'est... Il y en a plein. Oh my god. Dingue. Et en plus, ils les vendent pas très cher. Bon, après, elles sont... Celle-là, elle est jolie. Ouais, la bleue. Putain, il y en a plein, hein. Plein, 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 plein. Et la petite, là-bas... C'est dingue. Celle-là, elle est belle. Hein. Combien là, 3 euros, vous m'avez dit. Ouais. Et vous êtes là la semaine prochaine? Oui. Je vais prendre... J'en ai pris une à 3 euros. Il est gentil, monsieur. Et... En fait, sa maman avait une collection de poupées. Il en a plein, il en a 300 et je lui ai fait la remarque parce que je pensais qu'elles étaient quand même en caoutchouc et il me dit qu'il en a cassé et que bon, c'est pas des poupées en caoutchouc, donc il est sûr de lui. Pourtant ça on dirait des poupées en caoutchouc, mais il me dit que non. Donc bon, en tout cas les poupées, tiens, il en a énormément. Le service, il est pas mal là, j'aime bien le plateau. Plateau argenté, il brille, hein. Il brille au soleil. Il est beau. En tout cas, voilà, si vous passez à Saint-Étienne-du-Gré, tous les dimanches, il y a la brocante. Regardez, j'ai trouvé un petit pantin articulé. Il bouge et il fait de la musique. Il est beau, hein? Il est beau. Bon, je vais voir si je l'achète ou pas. Merci. Enfin, si je pars, ils m'en ont proposé 20 pour le pantin articulé.